installé ici à l'hacienda, enfin à la Lorada. C'est pas une hacienda. Oh, ça lui ressemble. Oh, hein? C'est un grand tipi d'Indien. C'est qui l'Indien? C'est la maison des Indiens, mais il n'y a que des Indiens ici. C'est toi le chef indien? Moi, j'aime les Indiens. Pour moi, les vrais Américains, c'est les Indiens. Qui ont été chassés de leur terre, qu'on a mis dans les réserves ignoblement. Et moi, j'ai toujours défendu la cause des Indiens. Pour moi, les cow-boys, c'est les mauvais, les Indiens, c'est les bons. Bizarre, parce qu'on a tendance à t'associer, toi aussi, à une attitude de cow-boy. Non, je ne suis pas cow-boy. J'aime bien les bottes, j'aime bien m'habiller, j'aime bien les jeans. C'est vrai que je m'habille toujours avec des jeans. Même quand je mets une veste, je mets un jean. Je veux qu'on ne soit pas avec des petits mocassins italiens et... Ouais. Et un pantalon à passe, non, c'est pas trop. Cette passion des Indiens, elle remonte à loin, tu te souviens? Depuis toujours. Depuis toujours, ouais, depuis que t'es môme. Ouais, depuis que je suis môme, ouais. Depuis que tu tournais avec les Hallydays dans toute l'Europe et tout, t'avais quoi? Tu regardais des illustrés, tu suivais parfois les films à la télé, et tu disais, tu prenais le parti de ces gens qui étaient oppressés. J'ai toujours été très fanatique du cinéma, au moins depuis que je suis petit. Alors, c'est vrai que j'allais toujours voir des films sur les cow-boys et les Indiens. Est-ce qu'à ce moment-là, t'aurais aimé avoir une carrière de... Yeah. Une carrière de comédien ou d'acteur? Bon, moi j'ai fait de la chanson, mais moi c'était pour gagner ma vie au départ. Donc je faisais des petits baloches, des choses comme ça. Mais moi au départ, je voulais pas du tout être ni comédien, enfin quand j'étais môme, hein, je voulais pas être ni comédien, ni chanteur, ni guitariste. Je voulais être coureur automobile. Je voulais être pilote de Formule 1, la vérité. C'était ça. Personne n'a rien inventé. Hein. On refait toujours quelque chose que quelqu'un a fait, mais à sa propre façon. Pas de création absolue. Sur certaines choses, si. Si, sur le feeling, sur... même si on est inspiré par certaines personnes et qu'on fait des choses que certaines personnes ont déjà faites, on le fait à sa façon, à soi, donc ça ressemble pas vraiment. Tu m'as dit, si je suis monté sur scène, si j'ai pris une guitare, si je chante, c'est pour plaire aux gonzesses. Ouais. C'est le moteur. C'est vrai que, bon, voir d'une piscine, tout ça, quand il y a des copines qui viennent, ça, c'est vrai que je prends ma guitare, je vais toujours. Mais ce qui m'a toujours énervé, c'est que j'avais, dans le nombre de mon public, j'avais en général plus de mecs que de filles. Exact. Et moi, c'était pas... Oui, mais alors, c'est deux choses différentes. Les filles, c'est pour les chansons tendres, les mecs, c'est pour le rock'n'roll. Ouais. Mm-hmm. La rock'n'roll attitude aussi. La rock'n'roll attitude, oui. Avec la banane. Ah, t'as vu, je n'ai plus de banane maintenant. Bon. Retiens la nuit avec toi, elle paraît si belle. Qu'est-ce qui fait qu'il y a qu'une nana? C'est que tu tomberas de dingue, que t'as une émotion ou t'es... Pour moi, ce qui est le plus important, c'est la première rencontre avec quelqu'un. C'est le moment où tu rencontres quelqu'un, où t'as un choc que tu as en rencontrant une personne pour la première fois, que t'as pas avec d'autres. Ou alors, si t'as pas ce choc-là, bon, ben, c'est une aventure d'une nuit, je veux dire. Mais bon, les aventures d'une nuit, bon, ça va jamais très loin, quoi. Moi, je connais des filles qui sont beaucoup plus belles que nous, qui sont vraiment des belles filles, mais elles ont l'air tellement con dans le regard que finalement, ça mérite pas plus qu'une nuit, quoi. Il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins belles de temps en temps, mais il y a quelque chose de tellement fort dans le regard que ça mérite d'être plus longtemps, de te regarder plus longtemps, en tout cas.